Concorde s'élance sur la piste. La France veut une autre puissance entre l'URSS et ses alliés, et les États-Unis et ses alliés. Donc c'est le retour de la France sur le devant de la scène. Le président de la République française sera le premier chef d'État à franchir le mur du son sur appareil commercial. En cette année 1972, l'heure est à l'optimisme. Les carnets de commandes du Concorde sont pleins. Il a fallu du talent et de la persévérance pour faire naître cet avion de légende. Concorde, une épopée, lundi à 23h50 sur France 3.